Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Furia face à Vitality. On est là pour la finale de ces ECS, la grande finale. Les Furia, équipe surprenante bien sûr depuis en vérité la DreamHack Dallas, ils avaient déjà notamment éliminé Vitality en quart de finale, pardon. Et Ziwo qui fait un festival, triple kill. Il ne reste plus que Kasherato en 1v4. Comme je disais, voilà, c'est une équipe très surprenante. Ils ont été capables d'éliminer notamment Astralis pour se qualifier justement pour la demi-finale, où ensuite ils éliminent en demi-finale North 2-0. Et maintenant, finale Vitality versus Furia. Nord-Amérique versus. Non, enfin, Sud-Amérique plutôt. Versus France. Et Kasherato pour le clutch 1v4. 1v2 désormais. Attention quand même à ce jeune brésilien qui est extrêmement fort. Allez, il va prendre le premier kill sur Apex. Derrière, il enchaîne sur Alex. Le clutch est mis par Kasherato. 1v4. Autant dire que ça commence mal pour Vitality, qui se prend tout de suite 1v4. Est-ce que ça nous surprend? Bien sûr que non. Alors, petite ellipse, parce qu'à ce moment-là de la game, Kasherato a eu un problème de PC. Ça dure à peu près une demi-heure. Donc, je vous mets une ellipse et on se retrouve juste après pour la suite. Allez, on est de retour, les gars. Dites-vous que la démo est passée de 5 minutes à peu près à 37 minutes. Voilà. Allez, Arc qui a trouvé l'ouverture sur RPK. Apex pendant ce temps élimine Vini et Yuri MBK. Prise du A de la part des Furia. Les Français se sont fait un petit peu éclater. La retake va être éliminée. Alex qui va trouver la tête de Yuri. Donc peut-il enchaîner? 3v3 malgré tout. Il y a un petit espoir pour les Vita, mais. Bah là, il y a un gros espoir avec Apex. Il fait tomber la bombe. Et pour l'instant, lui, Art élimine Alex. Cela dit, il faut récupérer la bombe pour les Furia. Ils ont encore beaucoup de temps hein, pour la récupérer en vrai. Oh, Apex récupère une AK. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, dommage, il se rate. Je sais pas trop pourquoi il repique une fois qu'il est repéré. Sauf qu'il a vraiment pas du tout l'avantage vu qu'il a un simple. Il n'y a pas de Kevlar, je veux dire. Ziwo qui tourne le dos là. C'est pas passé loin. Mais c'est bien les Furia qui vont remporter ce point. 2-0 pour les Brésiliens. Donc c'est la première fois qu'on voit les Furia en action. Comme je l'ai dit, c'est une équipe très surprenante. DreamHack Masters Dallas, ils avaient été capables d'aller chercher une demi-finale. Après avoir éliminé Vitality notamment, où ils s'inclineront finalement face à Liquid en demi-finale. Derrière là, ben ils arrivent. Ils gagnent leur premier match contre Astralis en BO1. Donc ils gagnent. Ensuite, Winner Bracket, ils perdent 2-0 face à NRG, donc l'équipe nord-américaine. Lower Bracket, ils éliminent Astralis. Ils éliminent Astralis, et ensuite ils éliminent North. Donc bon, on peut dire que les Danois n'aiment pas trop le style de ces Furia, puisque les deux équipes danoises sont tombées face à Furia. Et petite note quand même, Furia est passé top 5 monde à l'issue de cet événement. Donc MIBR qui est top 11 monde est désormais la deuxième équipe brésilienne. Les Furia sont 5e mondiaux. Alors ils vont pas le rester très longtemps parce que il va y avoir des événements auxquels ils vont participer, notamment les ESL Pro League. Mais malgré tout, voilà, on notera que Furia, ça reste quand même top 5 monde aujourd'hui. Donc pas si dégueu. Allez, c'est Zivo qui va ouvrir. Sur Yuri, et ils ont fait tellement vite, n'empêche, pour remonter. Ils ont fait une demi-finale DreamHack Masters Dallas et une finale ECS, peut-être victoire, on ne sait pas, on va voir bien sûr. Et 2v3, le BP2 est free par les Furia. Alors aujourd'hui, vous aurez peut-être que la première map, enfin la deuxième et l'éventuelle troisième map, probablement plus demain. Parce que bon, il est déjà 2h38 du matin. Et bah, demain, je travaille. Et en ce moment, je travaille énormément. Donc, j'ai pas trop le temps. Voilà. Allez, Alex 1v3, ça va être un nouveau point pour les Furia. Si Alex arrive à prendre un petit kill avec son PM, franchement, ce serait pas mal.
Mais bon, Art était vigilant. Il va chercher un triple kill. 3-0 pour Furia. Alors, au niveau des maps. Inferno, première map. Map des Furia, je crois. Attendez. Je sais plus c'est... Attendez. Mon téléphone est full buggé. Je pense que c'est parce qu'il a 1% de batterie. Ok. Je sais plus les maps. Allô, le téléphone? Ah oh bah il s'est éteint. Très bien. Tant pis. Allez, avantage numérique pour le Vitality. Mais non, il s'est pas éteint. C'est juste qu'il bug à mort. Allez, Vini qui ne fera pas l'exploit. Premier point pour les Français. Donc, il me semble que là, on est sur la map de Furia. Derrière, il me semble... Si je dis pas de conneries, c'est Overpass. Map de Vita. Et la troisième, je sais plus si c'est 2-2, Nuke. J'arrive pas à me rappeler. Mon téléphone bug, donc... Tant pis. Ah, mine de rien, Furia et Pierre d'Aran, ils sont envoyés en force. Très belle HE. Ah, j'aurais pu faire mon petit R pour suivre la HE. Cela dit, on a vu où elle a explosé, donc c'était pas bon. Mais très belle HE, on fait tout sauter, mine de rien, 4 casques. Et ça, c'est pas dégueu. C'est-à-dire que les Hog et les M4 peuvent one-shot. Ah, les petits coups d'épaule pour Zaevu. Allez, Zivo, tu vas prendre le premier sur Art. Est-ce qu'il peut enchaîner? Là, je... pas trop mal, hein. Apple Jay se retrouve à 59 HP. Donc, pour présenter un petit peu les joueurs, donc Yuri, Abel Jay, Art, Vini et Kasherato. Kasherato, futur star, si on peut pas dire au final que c'en est déjà une, brésilienne, ainsi que Yuri. C'est vraiment les deux joueurs qui sont sur toutes les lèvres. On parle aussi pas mal de Art, le leader in game. Voilà, en gros. En gros, t'enlèves, je sais pas trop les rôles de l'équipe, mais entre Vini et Abel J, tu gardes le mec qui est fixe BP, enfin, pas fixe, mais qui est support. Là, tu le remplaces par Coldzera, et franchement, il est incroyable. Il est extrêmement skillé chez les Brésiliens. Fur a beaucoup perdu de niveau. Fallen, pareil. Y'a qui après? Phelps. Bof. Phelps, c'est pas fan de Phelps. Paco, encore moins. Quoique. Si t'en remplacer Vini et Abel J par Taco et Coldzera, ça pourrait être pas mal. Au pire, Fur, mais je suis pas sûr que Fur aille bien dans cette équipe. Et si on regarde un petit peu les autres équipes françaises, on a qui? Un Bolt pourrait être intéressant. Heureusement que Alex est là pour cover Apex, qui a fait énormément de dégâts. Kasherato, dernier joueur en vie. Kasherato se fera éliminer par Alex qui va chercher un petit quadruple kill. Les Français disent non. Et c'est un 3 partout. Les Vitality égalisent. Bref, on va voir comment se va se dérouler ce match. Mais bien sûr, les Français restent favoris. Malgré le fait que Furia ait été capable de battre de grosses équipes. Il y a aussi la pression de la finale, il y a aussi le fait que Vitality a déjà affronté
Furia auparavant, contrairement par exemple à des Astralis qui ne les avaient jamais rencontrés, ou des Norse. Vitality a l'expérience face à Furia, ils ont déjà vu comment y jouer. Et Vini qui va prendre le premier coup de Paradox et Vini qui enchaîne sur Ziwo derrière. 5v3 désormais en faveur des Furia. Grosse faille sur ce BPB, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Alex. Il va essayer de retourner la situation. Allez, Alex, il peut prendre. Alex, il peut enchaîner, il n'enchaînera pas. Si là il faisait le deuxième, franchement il était bien, mais Vini va chercher le triple kill. Il est très avancé, mais tout seul. La bombe arrive tardivement, hein. Ça laisse l'opportunité au Vitality de se replacer. Et Art qui prend d'énormes dégâts. Art qui est éliminé par RPK. Attention, le tank, triple kill. Il ne reste plus que Ablejay qui est tellement loin. Il est complètement hors timing. La bombe est posée. C'est un 2v4 qui est en train de rentrer pour les Vitality. Sur une superbe action de RPK. Ablejay pour le clutch. Allez, 28 secondes, il a encore un peu de temps. Les Français sont au niveau de la construction, il pourrait surprendre les gars. Ouh là là, que ça se joue à rien. 8 points de vie sur RPK, il a failli venir s'empaler en brochette. Mais le tank va le faire. 4-3, les Vitality passent devant. C'est un 2v4, mine de rien, qui est mis par les Français là. Plutôt convaincant, ils vont aller nous chercher une poste tactique. Côté Furia, ça va être un petit achat ou une écho. Alors, est-ce qu'ils partent sur une écho sèche? Non, je pense pas, ils ont acheté des Kevlar. Il a quand même pas acheté un Kevlar pour rester au bloc, non? Ouais, voilà, Tech9. On fait un half-buy côté Furia. C'est l'occasion pour Vitality de commencer à bien s'élancer sur ce site de défense. Ils vont devoir nous montrer de belles choses, hein, Vita, parce qu'on sait que récemment, ils ont été un petit peu... bon, de manière globale, mais ils ont fait preuve de faiblesse sur Inferno, notamment face à Norse, il me semble. Oui, face à Norse. Donc clairement, côté français, il reste des choses à corriger sur la map. On espère que depuis la dernière fois qu'on les a vus sur Inferno, ils auront été capables de tout corriger pour affronter cette fois-ci Furia. Bizarre hein, de se dire que Furia est 5ème mondial, alors il y a une place de plus à peine que Furia. Qui va faire une version dégueulasse sur NBK alors qu'il était complètement blanc. Revenge d'RPK et lui, Zibo, évidemment. Apex dans le dos qui fait tomber Art. 4v2, on s'empale sur le PA. On se rate complètement pour Cacherato. Yuri pour le 1 contre 4. Et Zibo va conclure tranquillement. 5-3. Les Vitality enchaînent sans trop de problème pour le moment. Ça commence à être pas mal. Hein. On est sur du 5 rounds d'affilée. Première poste tactique pour Furia. Bon les gars, je vais vous mettre une petite ellipse. Je pense que finalement vous aurez la vidéo une autre fois. 2h du mat. Franchement, je suis trop fatigué. Donc petite ellipse. Je vais revenir un peu plus en forme. Et on à de suite les gars. Tout simplement. C'est re, je vais vous dire salut, re, voilà, je suis en forme, c'est le lendemain soir, je rentre du taf, et on va finir ce BO3, alors je suis désolé, j'ai mis beaucoup de temps à le sortir, franchement j'ai beaucoup taffé le mardi, mercredi, enfin le lundi, mardi, mais mercredi là franchement, le soir c'était pas mal, et du coup forcément j'ai fait ça quand j'ai vu, donc je suis désolé de vous avoir sorti ça un peu tardivement. J'hésite honnêtement à faire le close qualifier minor. Je suis pas sûr de le faire. Voilà, j'hésite pas mal parce que j'ai pas trop le temps.
Que voilà, je fais beaucoup d'heures, que j'ai beaucoup de trucs à faire IRL en ce moment aussi, donc j'hésite à vous faire le Close Qualifier Minor. Je me tâte, voilà, je sais pas encore. J'hésite entre les matchs de MDL de Vitality, le Close Qualifier Minor, est-ce que les matchs de MDL je les fais plus tard, etc. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, quoi. En gros, voilà. Allez, c'est Alex qui va prendre un kill sur Yuri, 4v2 en faveur des Vitality. Qui je crois sont sur 50 d'affilée et vont aller chercher un 6ème d'affilée, à moins que les Ricerator nous remettent un 1v4, mais ce ne sera pas le cas. Alex conclut quadruple kill du joueur anglais, 6-3 pour Vitality. Les Français commencent à être sur une bonne série de victoires dans ce side et ils sont pas trop mal. Donc voilà, est-ce que je fais le Close Qualifier Minor, on suit Gamer Légion? Ou est-ce que je fais les matchs de MDL de Vita? Je sais pas encore. Voilà. Il y aura peut-être quelques matchs de MDL avant le close minor. Franchement, je sais pas trop parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc j'ai peur de me lancer dans le close minor, mais qu'il y ait du délai entre les matchs et tout. Enfin, pour l'instant, c'est pas trop. Hein. Ce serait pour un Gamer Légion VS Optique dans un premier temps. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Gamer Légion contre Optique ça vous intéresse? Ou est-ce que vous préférez du MDL? Ou est-ce que vous voulez les deux? Voilà, vous me dites dans les commentaires. Allez, petit achat pour les Furia, on a de quoi s'inquiéter. C'est Ziwo qui va prendre le flingue sur Vini. Alex, c'est incroyable qu'il ait réussi à infiltrer ces trois sans checker Alex, qui était blanc. Hein. Il aurait eu un duel quasi gratuit, Art là, il aurait pu. Parce que maintenant Alex a une épine dans le pied et Alex prend un kill. Bon, dévêche le Casserato, mais derrière Ziwa et Apex font le taf. Il ne reste plus que Yuri en 1v4. Ça va être quasiment impossible pour le jeune Brésilien qui sera éliminé par NBK. 7 à 3 pour Vitality. Les Français enchaînent sans trop de problèmes pour le moment. Bon, voilà. En tout cas, bon, ça fait un peu bizarre parce que j'y suis en plein milieu de la vidéo, mais. Je pense que je reposerai la question sur la deuxième map pour en début cette fois. Est-ce que vous voulez Gamer Légion ou est-ce que non, ça sert à rien. Voilà, vous me direz dans les commentaires là et si je vois, enfin, et je le dirai aussi dans la deuxième vidéo. Là, on va enfin finir les MDL. En ce moment, voilà, hein, je suis pas autant actif que ce que j'ai pu être. En même temps, comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de taf. Tout simplement. Alors, on est sur une vidéo de. Alors, j'ai augmenté la qualité vidéo normalement d'action parce que je l'ai trouvée anormalement basse. Parce que regardez, hein, si on regarde mes paramètres à moi, tout est au max, mais le rendu est dégueulasse. J'aurais peut-être me mettre en 1280, peut-être que ça ferait un meilleur rendu de base parce que je filme en 720p, mais le jeu est en 1080, donc peut-être que si je mets la même résolution dans les deux cas, ça fera pas des compressions un peu bizarres. Je sais pas trop, faut que je fasse des tests. De toute façon, faut aussi que je teste de filmer avec OBS et tout, enfin bref. Là, je vais tester de filmer avec Action en qualité supérieure, voir un petit peu combien d'espace ça prend, etc. Donc là, je suis à 4 minutes de vidéo, il me reste 339 Go de libre sur mon disque dur. Donc, je verrai au bout de, à la fin de la vidéo combien d'espace m'a pris cette deuxième partie de vidéo. Allez, Apex qui va prendre un kill Revenge Cacherato à travers la smoke. 4v4, Abel Jay qui va essayer de tenter un timing mais sans succès. Allez, 4v4 désormais. Alex qui se replace piscine et Yuri qui va ouvrir sur NBK en A. Pendant ce temps, le BPA est complètement libre. La rotation s'engage du côté des Furia. RPK va essayer de reprendre. RPK, ça va être compliqué pour RPK là, clairement. Il arrive à s'infiltrer. Alors, s'il arrive à choper un mec dans le T, en vrai, ils devraient pas passer dans le T vu qu'ils ont le contrôle. Voilà, ils préfèrent passer dans les appartements et ils ont raison vu qu'ils ont le contrôle. La map, par contre, ça c'est très bien joué. Hein, le petit boost dans la smoke, le Cacherato était complètement naïf. C'est très très bien joué. En plus, on intercepte la bombe qui est tombée. On prend une smoke. Allez, Yuri qui va faire la différence. Yuri qui fait un premier kill. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur Alex? Il va faire dessus par Ziwo. Ziwo qui prend un kill. 2v2 désormais. Abel J et Vini. Ziwo tout seul. Je le tourne le dos à Abel J. Et ça va être un nouveau point pour les Furia. On a réussi à faire la différence en A. Il a son couteau. On a réussi à faire la... Ils ont réussi à faire la différence en A. Les Furia. Et la retake n'a pas pu être faite correctement. Même si on arrive à intercepter Cacherato, vraiment avec un petit boost qui était plutôt pas mal. Franchement bien timé. Mais derrière, ça restait un 3v3. Et c'est les Furia qui s'imposent. Rien de grave. 7-4. Les Vitesse sont toujours devant.
Ziwo a son sniper. Et le gagnant de ce round envoie l'autre équipe en écho. Ou en petit achat peut-être. Donc Vita a clairement moyen d'aller chercher un 9-4. Voilà, s'ils peuvent bien commencer ce BO3, cette finale, en allant chercher la première map qui en plus, je crois, c'est Victoria, ce serait vraiment pas mal du tout. C'est quoi déjà la deuxième map? Overpass. Si c'est Overpass, c'est 100% la map de Vitality Overpass. C'est une excellente map à eux. Je vois pas une équipe rapide contre eux. Alors que Inferno, même si c'était leur meilleure map au début de l'équipe, j'avais encore Happy. Franchement, je trouve que Happy joue très bien Inferno. Son style de lurk marche bien, je trouve, sur cette map. Ça marche beaucoup moins bien sur d'autres maps. Mais le lurk d'Happy sur Inferno, je le trouve vraiment pas mal. C'est une map où les redirections se font tellement facilement qu'avoir un point d'appui toujours par-ci par-là, ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc il y avait vraiment que sur Inferno que Happy, je le trouvais bon. Et c'est RPK qui va le faire. 8-4, les Vitality vont remporter ce premier site, quoi qu'il arrive. Bref. Donc c'était une très très bonne map de Vitality, Inferno. Et à l'époque de Happy. Et après, avec l'arrivée d'Alex, ça s'est un petit peu... Ils se sont un petit peu affaiblis dessus. C'était expliqué aussi par le fait que Alex ne jouait pas la map avec LDLC, donc il avait beaucoup de choses à apprendre. Et puis après, je sais pas, leur manière de travailler était différente qu'avec Happy, donc dans tous les cas, ils montraient pas forcément la même solidité, on va dire, sur la map. Voilà, voilà. Bon, ben, au bout de 4 minutes de vidéo, je suis toujours à... J'ai toujours pas dépensé un seul giga, donc... Plus, je me tiens, pour l'instant, c'est pas mal. Allez, Apex, tu vas faire tomber Cacherato, Revenge de Vini. C'est pas trop mal, hein, ce préfire de Ziwa, mais ça touche pas. J'ai ma peau qui commence à peler où je m'étais brûlé le bras, c'est dégueulasse, sa mère. Ça ressemble à rien. Allez, avantage numérique pour les Vini. Pour les Vini. Parce que Vini a fait pour les Furia, pardon. Ou si Alex il avait claqué son plus beau sprint. Dommage. Ah, c'est un singe Vini. Il s'en fout. Il a failli y passer quand même. Hein. Mais ça va passer pour les Furia. Les Brésiliens n'ont pas dit leur dernier mot. Et finalement, ils ont pu racheter. Hein. Un peu plus s'ils avaient planté la bombe. Ouais, c'est un nouveau point pour les Brésiliens. N'empêche, Furia, ça doit être la seule équipe brésilienne que j'aime bien. J'aime MIBR, j'aime pas INTZ, j'aime pas Luminosity. Allez. 8 à 5 pour le moment, les Vitality sont toujours devant. Quoi qu'il arrive, ils seront devant à l'issue de ce premier side de toute façon.
préfère les deux appartements. Sinon... Fire de partout, on met de l'activité de partout. On contrôle tranquillement cette banane qui a été laissée par l'Evita. Oh là là, ils y vont en déclic B. Oh là 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 là. Il n'y a personne. Il faut partir safe. Ouais, Apex il a tenté le move de la folie. C'est pas passé, faut que ça aille maintenant. Le col de la déclic est incroyable. C'était le meilleur move quoi. Très bon col des Furia. Ça leur fait un point gratuit, hein, j'ai envie de dire. Et on va tranquillement arriver à la fin de ce premier side. Okay. 9-6 ou 8-7. Bah, ce serait bien quand même que ta Vitality de finir sur un 9-6 plus qu'un 8-7. Parce qu'ils ont quand même été capables voilà, de prendre pas mal de rounds. Ils en ont quand même mis 7 d'affilée. Donc ce serait bien de ouais, conclure sur un 9-6, ce serait pas trop mal. Bon, 8-7, ça peut aller, hein. Comme on l'a dit, c'est une map assez équilibrée, même souvent des équipes arrivent à être très 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 bonnes en terreau sur cette map. On verra si ce sera le cas de Vitality, mais c'est vrai que les 7 terreaux récents de Vita ont vraiment été pas mal du tout, donc... moyen d'avoir un petit peu d'espoir, on va dire. On part l'issue de ce premier side. Premier kill, enchaîne derrière sur Alex. Très important pour l'instant dans ce match. Est-ce que c'est le Todd Frager? Ouais, c'est le Todd Frager. Et c'est vrai qu'il fait d'excellentes ouvertures à chaque fois. 5v3, il va falloir faire une retake en désavantage numérique côté français. Ça s'annonce plutôt mal embarqué. Les Furia devraient réussir à conclure ce side sur un petit 7 points. C'est pas mal pour les Brésiliens, c'est aussi pas mal pour les Français. Bref, c'est tendu. 1v4 pour Zero. Et Vini lui saute dessus. Quadruple kill pour le Brésilien. Allez, petite ellipse, tant que le deuxième side se lance, à de suite. Allez, re les gars, deuxième side, un point d'avance seulement pour Vitality. On espère qu'ils vont tout de suite réussir à mettre le pistol et enchaîner les rounds. Et c'est Apex qui va très très bien commencer en allant chercher le kill sur Abel J. Ah, parce que c'est très agressif, il va tout de suite battre en retraite, il y avait 4 joueurs sur lui. Est-ce qu'on va taper la selle en B? Oh, super, en A, pardon. Le cas qui atomise Art, Apex... en coupe, qui va complètement surprendre Yuri. 2v5. Attention, ce râteau est toujours là. Tout à l'heure, il avait mis un 1v4. Peut-il renouveler un exploit de ce genre? 1v5 cette fois-ci. Ça risque peut-être d'être un de trop pour cacher râteau. Eh ben, cacher râteau ne fera rien du tout. Alex l'élimine. Le perfect pour Vitality. Le 9e point. Alors, les Brésiliens qui décident de forcer l'achat. Étonnant. On va voir ce que ça va donner. Ça va être repéré par Vini. L'achat est superbe. Arte, il perd la moitié de son point de vie. Ok.
Apex élimine Art, qui est le leader in-game de ces Furia, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà, Art, leader in-game et sniper des Furia. Je sais pas si on l'a beaucoup vu à l'œuvre au sniper sur le set d'attaque, mais en défense, il l'utilisera probablement un petit peu plus. Ok, Nbega qui insère cette tuerie. Je crois. Ça a pas mal de dégâts sur la smoke. Apex également. Mais bon, l'avantage est conséquent côté français. C'est un 5v3. Vigny et Cacherato sont low HP tous les deux. Ils sont bien là. Oh, Vigny, le timing. Et il s'en sort en plus. Hein. Allez, Bull J. En dessous du balcon, il va essayer de faire la différence. Oh, il tire à côté, il n'arrive pas à toucher. Il est en difficulté. Il y a Cacherato en crossfire, mais il s'est fait éliminer. Et là pour Abel J, bon courage. Trois viseurs français sont sur lui. Et on le décale ensemble. On fait bien les choses pour éviter de perdre plus d'armes. 10 à 7. Les Français arrivent à enchaîner tranquillement pour le moment. Écossais cette fois-ci. Petite infiltration seconde, on va voir là. Ouais, Alex se fait complètement surprendre. NBK, attention, il va se faire déborder. Il se fait complètement déborder. Attention à cet écho. On sait, les Vitality n'aiment pas trop les échos. Ils vont essayer du coup de foncer en B. Ça va être compliqué pour Cacherato de tenir très clairement avec un simple USP. Samate a récupéré 2 AK. Ils vont être tentés de jouer le round. Mais pas sûr que ce soit la bonne idée. Je pense que c'est mieux de partir écho, 2 AK. Pas la jouer là, c'est dommage de faire un attaqueur. Ouais, trop gourmand pour Yuri. Abel J lui va préférer garder la AK, il a clairement raison. Hein. Ça peut... Une AK ça peut tellement faire la différence, des fois on se rend pas compte, mais une arme des fois ça peut faire la différence. Les One Man Army, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est rare, mais on en voit. Même si là, en l'occurrence, bon, c'est un arme d'achat, donc bah, c'est de l'écho en plus. C'est une arme qui one-shot aussi, dans la tête. Donc, clairement, c'est pas mal. Abel J qui va prendre le premier kill. Art par contre se fera éliminer. Ah là, le kill qui rate là. Cacherato n'en prend qu'un. Cacherato prend de lourds dégâts. Abel J est éliminé. Oh là là là, cheu parfaite. Double kill sur Yuri et Cacherato et Vini se retrouvent en 1v4. Cette hache de RPK est tellement parfaite. En vrai, j'ai pas l'impression que mettre en qualité haute, ça rend la vidéo si énorme que ça en termes de giga. Faut que je teste en qualité très très haute. En qualité très haute. Je sais que sur OBS, passer de qualité normale à qualité haute, la différence est énorme. En termes de taille de fichier. Sur Action, ça a l'air beaucoup moins... Après, peut-être que la compression est du coup plus... importante aussi. Hein. Faudra que j'essaye clairement capturer, je sais pas, un gameplay 30 minutes en qualité haute ou un truc comme ça et voir pour réduire après. C'est pour ça que la qualité d'image de Fraps est bonne et pourquoi ça prend autant de gigas. Parce que Fraps, en fait, t'as pas le choix de choisir
qualité moyenne, haute, machin, ça doit être la qualité, ça doit être qualité du jeu. Et c'est pour ça, je pense que Frappe, ça consomme à mort. Je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Mais le problème de Fraps, en fait, c'est que le son est très moyen. Le son est moyen. Et aussi, qui est chiant avec Fraps, c'est qu'il y a souvent des pertes de FPS. Alors, peut-être pas avec le nouveau PC que j'ai. Mais il y a quand même un risque que je ne prendrai pas. Pour l'instant, je reste sur Action. J'ai essayé d'améliorer la qualité. J'ai OBS de dispo au cas où. Que je testerai aussi. De mon côté, je vais essayer de faire de voir pour faire des lives. Je pense que je peux pas avec Mako, mais je vais essayer de voir. Je pourrais peut-être faire des lives sur des jeux qui consomment moins que CS. Après, peut-être. Je sais pas trop. Genre Dofus par exemple. Mais après, je joue quasi plus. Après, la nouvelle mage là qui sort sur Dofus, ça a l'air pas mal. Du coup, j'hésite un petit peu à reprendre un petit peu quoi. Quelques temps. Faut que je vois pour prendre des vacances aussi. Parce que je suis en train de cumuler des jours. Je pense que je vais me prendre une semaine début septembre. Après une semaine à Noël. Et 3 semaines après, pendant l'été, l'année prochaine. Bon, c'est dans un an. Bon, ça tient hein, pour Vitality, ça va être le 13-7. Pour l'instant, les Furiens n'arrivent à rien sur leur set de défense. Ça va être le 5ème d'affilée pour les Vitality. Très très bon match de Zero, Alex et Tank. Et du côté des Furiens, on a deux joueurs en difficulté, c'est Art, le leader in-game, Applejay également. Clairement, les trois joueurs qui m'auront le plus marqué pour l'instant, côté Furia, c'est Yuri, Kasherato et Art. Les deux autres, je sais pas, peut-être que je me suis pas assez penché sur leur cas, mais je les avais pas trouvés oufissimes, on va dire. Continuer comme ça côté français. S'ils sont capables de mettre la première map, franchement ils seront bien partis. Derrière Overpass, on sait à quel point ils sont solides sur Overpass. C'est rare hein, les games où ils perdent Overpass. Souvent quand ils perdent c'est sur des games vraiment compliqués. Attention quand même. Allez, Vigné contact. On a déjà perdu un homme. C'est Kasherato. La pépite. Oh là là, Vigné. Derrière il s'écroule sur Apex, il reste Art en seconde lame avec son sniper. Art pour essayer de faire la différence. Il a déjà fait Zero et il va prendre le kill sur Zero justement. Et Applejay également. Tient le coup sur Alex, Yuri. Mecha lui tourne le dos. 1v3 pour Apex. Peut-il mettre le clutch de l'extrême? La réponse est non. Yuri tiendra le coup dans sa vodka. 13-8 et les Furia restent en vie pour le moment.
What? C'est quoi ça, 14 mails? Attendez. Allez, 2v2. Alex et Apex contre Vini et Cacherato. Alex qui tient le coup. Il ne reste plus que Cacherato pour le clutch. Le 1v2. Il va prendre le premier kill sur Apex. Comment il peut être naïf? Oh, il va le faire, Cacherato. Il a le temps de diffuse. Le clutch qui passe pour le jeune Brésilien. Des fois, je le trouve bizarre, Cacherato. Je trouve qu'il a des mouvements de souris improbables. Alors, je suis pas parano hein, de base, donc voilà, c'est assez rare, mais je sais pas, je le trouve assez étrange. Après, je dis pas qu'il cheat, pas du tout. Mais c'est peut-être sa manière de jouer. C'est un peu comme par exemple Kirby, qui a des mouvements saccadés quand il fait des sprays, par exemple. Pour autant, le mec, ça va pas dire qu'il cheat, mais... Ouais, il fait des petits à-coups avec sa souris, genre... comme si... Enfin... On dirait une... Pas genre une souris qui fume dans tous les coins. C'est trop bizarre. Ok, Ziwo. Seul Ziwo, c'est Ziwo. Et Apex en plus qui intercepte Cacherato. Il reste Art. Au niveau du T, est-ce que ça peut surprendre? Bah ça surprendra pas, on a déjà prévu le coup côté Vitality, on a déjà Molo, Artevini pour la retake. En plus ils ont pas de thunes. Leur rang bonus est de 2, ils ont pas de quoi racheter. Ça va être une écho derrière. Avec ce point, la Vitality devrait aller chercher le 14 puis le 15ème. Et s'offrir 6 rangs bonus dans la foulée. Et c'est Apex qui va conclure triple kill de sa part. Tous les Français répondent présent sur ce match, ça fait plaisir. Bon, NBK un peu moins. Mais Ziwo et Alex, 20 kills chacun, 17 pour Apex, 18 pour RPK. C'est un petit peu comme sur la finale face à NRG, je trouve que on a du beau jeu d'équipe. Alors, bon, c'est vraiment pas mal ce que nous propose Vitality en tout cas. Ça fait plaisir hein, de les voir à ce niveau-là, bien sûr. Des Vitality capables de... Voilà, d'aller faire des grandes finales, même si c'est pas forcément contre le genre d'équipe auquel on s'attend. Mais bien sûr, voilà, Vitality en soi n'existait pas. Il y a encore je sais pas moi, l'année dernière à ce mois-ci, Vitality n'existait pas. Je pense que Envy venait de disband. G2, il y avait encore G2 avec Apex et NBK Mixwell, je pense. C'est leur escapé de cette line-up Kenyes. Puisque Body sur le banc de G2. Apex et NBK chez Vitality. Et...
Voilà, même Furia, il y a un an, je sais même pas si l'équipe existait et si elle existait en tout cas, on n'entendait pas du tout parler. Donc oui, ça fait clairement plaisir de voir de nouvelles têtes, de voir de nouvelles équipes, même Ents. Franchement, quand tu regardes le top 5 actuel, à part Liquid et Astralis qui ont pas trop changé, Liquid a changé un seul joueur. Quoique, il y a un an, jour pour jour, peut-être que Liquid n'avait pas encore cette line-up. Enfin, n'avait pas encore le NAF et compagnie. Je sais pas. Mais Astralis avait déjà Magisk, ça c'est sûr à 100%, puisque c'est en avril qu'ils ont remporté la... pas les ESL Pro League, mais la DreamHack Masters Marseille. Et que ça s'était passé... ouais, avec leur nouvelle line-up. Et c'était en avril. J'avais voulu y aller d'ailleurs à cette DreamHack Marseille, puisque c'est pas si loin de chez moi. Ça fait 2-3 heures de route. 2 heures, je crois. De route. En voiture. Mais j'avais pas été, et j'avais bien fait vu les performances des équipes françaises. Mais je travaillais, je crois, je pouvais pas. Ouais. Ils ont voulu forcer et ils se retrouvent en grande difficulté. C'est osé hein, d'avoir voulu forcer quand même hein, pour Furia. Très clairement, là, ils se mettent en grande difficulté pour espérer remonter sur la map. Ils auraient pu faire une écho, acheter au prochain. Ils ont préféré forcer. Et ils vont se retrouver en grande difficulté pour le prochain point. Les Vitality inscrivent le 15e point. Et s'offrent du coup 6 rounds de match pour conclure. Et mener 1-0 dans ce BO3. En allant chercher en plus la map adverse. Ce serait pas mal du tout. Enfin, je vais quand même vérifier que c'est bien la map adverse. Parce que c'est faux, je dis de la merde hein, depuis le début. Mais je pense pas. Ah. Voilà. Alors, Vitality. Première map Inferno, pic de Virfuria, deuxième map Overpass, pic de Vitality et troisième map Vertigo. Est-ce que nous allons aller sur Vertigo? Ah, c'est bien ça. Allez, les Vitality qui ont une grosse balle de match là, 5v4, ont des femmes assez une UMP. Il y a une grosse balle de match à saisir côté français. Et franchement... On pourrait éviter Vertigo si Vitality remporte Inferno, qui pourtant est la map des Furia. Oui, et Valiance n'ont pas disband, ils sont devenus les Crazy, et on aura l'occasion de les voir bientôt en MDL. Voilà, le match au moment où je vous parle a lieu demain, pour moi, aujourd'hui pour vous, je crois. Du coup, on aura l'occasion de revoir ce fameux classico. Très bien. Ce ne sera plus le Vita Valiant, ce sera le Vita Crazy. Allez, 2v3, Alex et Ziwo pour essayer de retourner le point, et ça commence bien avec Ziwo qui va faire tomber Cacherato. Oh, Alex, c'est tellement bien, Alex est tellement bien, il fait le premier sur Apple Jay, il n'en reste plus qu'un seul joueur, c'est Yuri, et Alex conclut sur un 2 balles. 16 à 9, victoire des Vitality sur cette première map, ils mettent 1-0 dans ce BO3. On se retrouve un petit peu plus tard les gars, pour la deuxième map, à savoir Overpass. Ciao les gars, et à tout à l'heure.